Ok les amis, donc salut à vous, j'espère que vous allez bien. Donc ce que vous voyez actuellement sur votre écran, sachez que c'est une application les gars qui vous donne des scores exacts, vraiment très 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 fiables. Donc là je commence à partir du 17 mars, tu vois, ça ce sont les résultats passés. Après voilà, tu peux venir défiler ici là comme tu peux bien voir pour avoir accès à voir un peu tous les résultats passés, tu vois. Donc le 17 mars ici, ils avaient proposé 3 scores exacts comme tu peux bien voir, ils en ont validé sur 2 matchs, c'est vraiment incroyable. Ça c'est le 18 mars, là aussi comme tu peux bien voir, il y a eu 3 scores exacts de 3 matchs différents qui ont été proposés, 2 ont été validés, 1 seul de perdu. Tu vois que c'est vraiment incroyable. Et même lorsqu'ils perdent, tu vois que c'est vraiment de justesse. Tu vois, ils avaient mis que voilà, Sparta pourrait aller gagner par 2-0. Ben, ils ont fait 2-1 tout simplement. Donc en gros, même si on rate un score exact tel que là, la victoire était pour. Ils avaient dit que c'était Galatasaray qui allait gagner. Ben voilà, là c'est carrément 2-1, mais dans le sens contraire tout simplement. Donc ça, c'était le 19 mars, comme tu peux bien voir. 3 matchs. Deux scores exacts validés sans problème et ça c'est donné gratuitement. Ça c'était le 19 mars. Alors là les gars, tous les 3 ont été validés comme tu peux bien voir sur l'écran. Imagine si tu combinais tout ça sur un seul coupon, imagine un peu les gars. Et là je vous parle que c'est une option qui est gratuite les gars, ça c'est l'option qui est gratuite sur cette application. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire sur l'application, comment vous allez faire pour avoir l'application, parce que je ne vais pas laisser le lien de téléchargement de cette application. Mais regardez quand même la vidéo en intégralité parce que je vais vous dire comment faire pour avoir cette application. Donc là on passe au 20 mars. Le 20 mars aussi, comme tu peux bien voir, il y a eu 2 matchs qui ont été proposés. Les 2 scores exacts ont été validés. Ça, c'était le 21 mars. 2 matchs, 1 score exact validé. Et là, on est le 23. Donc, comme tu peux bien voir, les amis, donc il y avait 3 matchs, 2 scores exacts validés. Et là, c'était voilà, la qualification à la Ligue des Nations. Là, c'était pour l'Italie et l'Angleterre. Voilà, ça a été perdu tout simplement, comme tu peux bien voir, les gars. Donc, franchement, c'est vraiment ouf, c'est vraiment incroyable. Je sais pas. Apparemment, l'Angleterre avait gagné par 2-1, si je ne me trompe pas. Ah, ouais, ils ont. Ah, non, en fait, eux, ils avaient prédit 1-1. Voilà. Si je me rappelle bien aussi que Harry Kane avait marqué le but à la dernière minute. Mais bon, bref, en gros, tu vois un peu la fiabilité de cette application. Ça, c'est rien que des scores exacts. Je vais te montrer encore une autre option qui est sur cette application qui vraiment. Cette option est vraiment incroyable. Et là, comme vous pouvez bien voir, juste toujours sur l'option qui est gratuite. Donc, je vous laisse imaginer ce qui est dans la section VIP. Mais comme j'ai dit, on va uniquement se baser sur la partie gratuite, tout simplement. La partie gratuite. Donc, ici, comme tu peux bien voir, il y a plusieurs options qui sont là. Il y a le tennis qui est là, tel que toi et moi, on n'a pas une connaissance sur le tennis. Imagine, on te donne des coupons sur ça. C'est vraiment ouf, tu vois. Si on prend le 20 mars, on va voir les résultats. Donc, là, par exemple, les matchs du 20 mars, les résultats ne sont pas encore affichés. Pourquoi lorsqu'on voyait comme ça, il faut savoir une chose. Sur l'application, on peut mettre un match, donc ils ont fait un pronostic sur un match sur une date donnée, mais il se peut que ce match se joue soit une semaine plus tard, tout simplement. D'accord, donc c'est un match qui va peut-être se jouer le 26, mais eux ils ont déjà fait un pronostic le 20. D'accord, lorsque vous voyez comme ça, ça veut dire que les matchs ne se sont pas encore joués, tout simplement. Donc là, le 21 mars, donc comme tu peux voir, on est sur du tennis, les gars. Regardez ça, c'est vraiment ouf, tous les matchs du tennis. 21 mars, tu vois que tout ce qu'ils ont prédit, voilà, tout a été gagné, c'est vraiment incroyable. Donc on passe au 22. Le 22, comme tu peux bien voir, il y a eu plus de 4 matchs, 3 matchs ont été validés, un seul qui a été perdu. Là on passe au 23. Le 23, comme tu peux bien voir, il y a 3 matchs qui a été validés. Là les résultats sont en attente. On passe au 24, toujours en attente. Le 25 aussi en attente. Tu vois bien que c'est vraiment incroyable les amis. Tout ce qui est donné sur cette application. Maintenant, moi, ce que j'aime, ce que je veux vous conseiller vraiment d'utiliser avec cette application, mais premièrement, c'est l'option Combo Tips. C'est vraiment incroyable, cette option. Donc, cette option que vous voyez juste ici là. Combo Tips, celui-là, tout simplement. C'est vraiment ouf. Alors, Combo Tips, c'est quoi en fait? Et s'ils ne prennent pas beaucoup de matchs, ils prennent que des matchs qui sont vraiment sûrs. Donc, si vous voyez un match ici, c'est vraiment sûr. Mais lorsque je dis que c'est un match qui est sûr, ça ne veut pas dire que ça va forcément marcher. Non, loin de là. Donc là, ce sont des matchs qui se sont joués le 25. Bon, on sait que là, je sais que l'Espagne avait gagné. L'Espagne a gagné ce match. Bon, ça, c'est la NBA. Je parie que les Lakers aussi ont battu l'équipe de l'Oklahoma City. Je crois bien que les Lakers aussi ont gagné ce match. Mais là, les résultats ne sont pas encore disponibles. Mais je crois que ça a été validé les deux. Donc, partons voir un peu le 24. Le 24 aussi, là, bon, ça, c'est toujours sur... le basket, voilà, c'est le basket. Ça, c'est validé. Ça, c'est en attente de résultats. Ici, comme tu peux bien voir, ça a été gagné les deux qui ont été proposés. Là, même chose, gagné les deux qui ont été proposés. Et regardez bien les cotes. Là, c'était une cote à 1,71. Là, à 1,39. On passe au 21. Les deux ont été validés. Tu vois, une cote de 2. Ça, c'est vraiment ouf. C'est vraiment incroyable, les gars. Une
une cote de 2, imagine, là, une cote de 1,25. Là aussi, les deux ont été validés. Tu vois bien que cette application est super puissante. Rien qu'en se basant sur tout ce qui est gratuit, vous voyez bien les résultats sont là. Donc, un, vous allez commencer par utiliser cette première option. Ça marche très bien. Et deuxième option que vous pouvez utiliser sur cette application, les gars, franchement, tout ce qui est donné ici, là, c'est vraiment du certain. C'est vraiment du solide. D'accord? Mais je ne veux pas dire que ça marche à 100%. Mais par rapport à mon analyse, je vous conseillerais d'utiliser plus les options que je vais vous citer. Donc, deuxième option que vous pouvez utiliser sur cette application, c'est le single game. Alors, ça veut dire quoi? Un seul single game, plutôt, excusez-moi, ça veut dire un seul sport tout simplement. Ça peut être du basket. Donc, en gros, ça va être les pronostics uniquement sur du basket, soit uniquement sur du football. D'accord? Donc, ça aussi, ça marche très bien. On prend la date du 24, les résultats ne sont pas encore disponibles. Le 23, comme tu peux bien voir, les deux là ont été validés. Là, c'est en attente. Là, on dit quoi? C'est Marcus Kudus en fait qui devrait faire une passe décisive, je crois bien. Mais je ne sais pas vu que j'ai pas suivi le match. Donc, on passe au 22. Là, comme tu peux bien voir, rien à signaler. Vraiment du 3 sur 3. Le 21, du 4, du 3 sur 3. C'est vraiment ouf, les gars. Et là, on passe le 20. Là aussi, c'est du 3 sur 3. Donc là, on a. Voilà, c'est du basket. On me dit que c'est Davis qui allait faire vraiment quelque chose de 27. Mais bon, bref, je m'y connais pas. Et voilà, une autre option que vous pouvez utiliser sur cette application, c'est tout simplement les Daily 10 plus ODD. Ça marche très bien. En gros, c'est une cote à partir de 10 et plus qui sont données gratuitement sur cette application. Donc là aussi, on va voir un peu les résultats des matchs passés. Donc de leurs anciens pronostics, voir un peu que vaille cette application tout simplement. Donc là, c'est le 25. On va commencer à partir du 20. Donc le 20 ici, comme on peut bien voir, il n'y a qu'une seule perte. Donc là, on avait dit entre 2 ou 3 buts. Je crois bien que ça s'est gagné parce que total goals en fait. Donc 2 ou 3 buts. En gros, 2,5 tout simplement. Donc là, ils ont fait quelque chose de 3-2 et Ibar a gagné. Donc en gros, ça là, c'est validé. Ça, c'est perdu tout simplement. D'accord? On passe du 21. Le 21, les gars, regardez-moi ça. Là, une cote de 2. Là, une cote de 1,51. Une cote de 1,41, 1,49. Donc, en gros, là, les gars, vraiment du carton. Tout a été validé. Le 22, voyons voir. Sur 4 pronostics, 3 ont été validés. Un seul de perdu. Et je vous signale que ce sont des grosses cotes, les gars. Vraiment des grosses cotes. On passe au niveau du 23. Là, toujours la même chose. Ça a été validé sans problème. Ça, non, c'est perdu. Ça a été perdu parce que les deux équipes avaient marqué. Voilà, c'est mon pays. Bon, ils ont perdu comme d'habitude. Mais bon, bref. Le 24, voyons voir. Ici, ça a été gagné. J'ai suivi. La Tunisie avait gagné par 3-0. Là, la France va gagner. Oui, la France vient de gagner. A gagné 4-0. Voilà. Donc là aussi, les amis, ils ont fait vraiment la date du 24 parce que j'enregistre cette vidéo aussi le 24 mars. Voilà. Oui, parce qu'il est déjà 0h tout simplement. Donc en gros, il y a à peine quelques minutes. J'étais dans le 24 mars. Donc en gros, là aussi, la France a gagné. En gros, là aussi, tout a été gagné. Et ça, ce sont les pronostics de demain. Donc en gros, le 25 tout simplement. Donc les gars, voilà un peu les amis, comment est-ce que ça marche cette application. Et il y a plusieurs autres options qui sont ici. Ça, c'est Big Win Combine. Ça veut dire en fait des grosses combinaisons vraiment en fait. Donc en gros, là aussi, ce sont des cotes super élevées. Là, on ne connaît pas les résultats. Voilà, tout est là quand tu viens voir, les gars. Franchement, il n'y a rien à signer avec cette application. Regardez-moi ces stats de malade. Là, encore. Là, voilà. Là, une seule perte. Ici, là. Une seule perte. Ici. Pour le moment, il n'y a que deux de validés. Les autres sont en attente, tout simplement. Ça, on a récemment vu ça. Ça a été gagné. Serbie, Lituanie, je ne sais pas. Fenerbahçe validé. Je ne sais pas s'il y a un match que je peux reconnaître ici, là. Voilà. En gros, franchement, c'est ouf, les gars. Avec cette application, il n'y a rien. Franchement, c'est trop dingue. Trop dingue cette application. Là, 3 sur 3. Là encore, regardez vous-même. Vous-même, regardez. Franchement, cette application est super incroyable. En gros, sur une option, on n'a que une seule perte, pas plus. Une seule perte, pas plus. J'ai pas vu une option ici là où il y a deux ou trois, voilà, quelque chose de perdu. J'ai pas vu ça. Personnellement, je n'ai pas vu ça. D'ailleurs, on vient d'explorer l'application devant vous. Vous avez vu un peu ce que l'application nous propose. Là, je le répète, je suis uniquement sur la section gratuite. Donc, je vous laisse imaginer ce qui est dans la section VIP. Maintenant, là, vous vous demandez tout ce qu'on va voir cette application. Ben, c'est simple, tout simplement. Mets un like, abonne-toi à la chaîne et rejoins mon canal Telegram parce que c'est là-bas que je vais donner cette application gratuitement. Et si vous rejoignez aussi mon canal Telegram, donc je vais d'abord donner l'application gratuitement, ensuite je vais vous donner encore la même application qui aura accès à la partie VIP tout simplement. Donc ici on a vu du lourd, donc je vous laisse imaginer ce qui est ici là. Donc franchement, j'imagine que ça sera vraiment incroyable. Donc en gros, je vais balancer la version gratuite et la version VIP sur mon application. N'essayez même pas de hacker ça avec le Keepatcher, ça ne va pas marcher, je vous le dis, ça ne marchera pas. Mais je sais comment hacker ça vraiment pour que vous puissiez avoir vraiment toute l'application gratuitement tout simplement. Mais pour cela, pour avoir ça, c'est simple, rejoins juste mon canal Telegram, je vais tout poster là-bas gratuitement, les gars. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette application. Pour moi, ça sera
sera tout. On se dit à bientôt et salut.